Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur l'RTNC. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République a reçu tour à tour, hier mercredi 26 juillet 2023, le député national français d'origine congolaise et le jeune basketteur congolais évoluant aux États-Unis d'Amérique. Les échanges ont tourné sur la promotion de la jeunesse congolaise, l'avenir de demain. Rachel Foutou. En vacances en République démocratique du Congo, Carlos Martin Bilongo, député national français d'origine congolaise, a été reçu ce mercredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. En toute fraternité, le chef de l'État et son hôte ont échangé sur des questions ayant trait à la politique, la diplomatie et la sécurité en France et en RDC. Ces échanges fructueux ont permis aux parlementaires français de s'imprégner des enjeux politiques en RDC. On a beaucoup échangé sur le sujet de l'Est de la RDC. J'ai entamé aussi des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale française. J'ai déposé une résolution pour condamner le soutien du Rwanda envers le M23. Si vous suivez mes travaux parlementaires français, la question de la RDC revient assez fréquemment. Je suis très conscient des enjeux que vous rencontrez, que ce soit même en termes de biodiversité ou en termes de sécurité, ou également économique. Et là où il peut y avoir une jonction entre le Parlement français, parce que je suis commissaire aux affaires étrangères, et également président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, à chaque fois, j'amende, je mets des articles, je propose des résolutions. Les Congolais qui nous regardent ici doivent savoir qu'ils ont un grand soutien de la diaspora congolaise qui est partout dans le monde. Très créative, très intelligente et qui a cette volonté de savoir trouver des ponts pour des partenariats et que nous sommes totalement ouverts à vous écouter, à vous aider et même vous aussi pouvez nous aider. Le parlementaire français et président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, Carlos Bilongo, est un opposant de l'actuel régime français. Ça va ? Déjà l'impression que tu as... On dirait que tu as poussé un peu. Ouais, un tout petit peu, ouais. La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a reçu, juste après les députés Carlos Bilongo, le jeune basketteur congolais Bismarck Biyombo, évoluant aux États-Unis d'Amérique, avec qui il a échangé sur l'encadrement de jeunes congolais de l'étranger et les opportunités à créer au niveau national pour la jeunesse congolaise. Moi, je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans. On voulait un peu parler plus de la jeunesse. Comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement. Et surtout, qui est très important pour la jeunesse, de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités. Alors, comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire. Il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter l'épanouissement de la jeunesse. Le basketteur congolais Biyombo a loué les efforts et le dynamisme du président de la République et son gouvernement pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC, raison de plus de promouvoir la jeunesse. Et les 9e jeux de la francophonie débutent demain vendredi 28 juillet 2023. Tout le pays est mobilisé, les agendas réajustés. Le basket international congolais Bismarck Biyombo a décidé de reporter son voyage pour assister son camp de basket pour les jeunes. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse qu'a assisté José Baïtouabo. Au lendemain de son échange avec le chef de l'État, l'international congolais et star de la NBA Bismarck Biyombo a réuni autour d'un repas des cœurs des jeunes basketteurs congolais de son académie. L'objectif c'est toujours la jeunesse parce qu'on ne peut pas, premièrement, on ne peut pas être le seul
pour dire que j'ai quitté ce pays et c'est bon, je suis le seul qui vient de ce pays, et voilà, je suis arrivé à tel niveau et tout ça sans pour autant aider les autres. En patriote, l'idole de jeunes basketteurs congolais a décidé, avec l'accord de son sponsor, la TMB, de reporter les camps Bismarck organisés chaque année pour dénicher les talents du sport au panier. Les circonstances sont un peu différentes. On ne pouvait pas faire le camp de basket avec tout ce qui se passe dans la ville, d'avoir le jeu de la francophonie avec nous. Et moi, je crois que le plus important aussi, c'est d'aider les autres à venir voir comment les choses se passent chez nous à la maison. Le délégué commercial de la TMB, Nicolas Singa, partenaire financier, a rassuré de son partenariat au camp Bismarck. C'est à travers ce financement que différentes initiatives sont prises en place et la fondation peut accomplir les différents actes et différentes actions, comme ce qui se passe par exemple ici avec tous ces enfants. Et au niveau de la TMB, en tant que banque, le rôle n'est pas uniquement de s'enrichir, mais de rendre aussi à la société. Et à travers ce type d'initiative, c'est vraiment notre façon de contribuer à la société. Discipline, professionnalisme et bonne instruction, depuis 10 ans, les camps Bismarck transmettent des valeurs aux jeunes Congolais. Une activité de démonstration de Nzango, jeu de pied joué par les femmes en vogue en République démocratique du Congo. Une nouveauté à découvrir au 9e jeu de la francophonie. Regardez ces images qui illustrent ce jeu effectué au stade de Limka dans la commune de Kalamu. C'est avec un sentiment de grande fierté que je prends la parole ce jour à l'occasion de la démonstration du jeu Nzango, en vue de son intégration comme discipline au 9e jeu de la francophonie qui se tiendra dans notre pays. C'est par ce mot d'ouverture de la coordonnatrice de service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes que le coup d'envoi a été donné lors d'une activité de démonstration qui a opposé le femme athlète de Brazzaville et celle de Kinshasa au stadium de Limka à Matongé dans la commune de Kalamu. Madame Chantal Yelomoulop s'est dit satisfaite de l'effectivité de Nzango parmi les disciplines retenues au jeu de la francophonie. Un pari gagné pour le chef de l'État qui a fait la promotion de la femme congolaise son cheval de bataille. L'activité de Nzango fait partie de la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait la promotion de la femme et l'épanouissement de la femme à travers le sport aussi. Le président tient mordicus à ce que le Nzango devienne un sport national. Pour cela, je voudrais remercier le ministre de Sport qui a directement compris et qu'il est en train de préparer avec nous comment est-ce que nous allons trouver le moyen pour en faire un sport national. Pour une petite histoire, le Nzango est un jeu de pied joué par les femmes en vogue en République démocratique du Congo. Toujours à Kinshasa, les jeunes leaders des communes de Lingwala et de Kinshasa se sont appropriés des meilleures pratiques et outils sur la présentation et lutte contre la drogue. C'était au cours des travaux de l'atelier de formation et de sensibilisation des jeunes sur les conduites addictives. Regardez. La consommation de drogues s'est accentuée en République démocratique du Congo et plus chez les jeunes. Face à ces constats alarmants, les ministres de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bonkoulouzoula, a sensibilisé les jeunes de Lingwala et ceux de la commune mère de Kinshasa contre les effets néfastes de la drogue, des troubles physiques, mentaux et sociaux. À cela s'ajoutent les mesures à prendre pour endiguer la propagation de la drogue en cette période des Jeux de la francophonie. Dans son allocution, Yves Bonkoulouzoula a également abordé la prévention des conduites addictives et à risque. Cette séance de sensibilisation des jeunes de ces deux communes contre la drogue a été organisée par les ministères de la Jeunesse en collaboration avec la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Il s'agissait pour nous de venir former des jeunes leaders, ici non seulement des ministères, mais également du Conseil national de la Jeunesse. Sur les comportements observés, les généralités sur des informations. Nous sommes ici dans un quartier où véritablement on a pu rentrer en contact direct avec les jeunes qui sont dans la drogue. Et c'était important pour nous de leur faire comprendre le danger, les différents dangers de la drogue pour qu'on puisse les aider à s'en sortir. Nous allons créer les conditions avec l'accompagnement du ministère pour que les jeunes soient formés. Jeunes propres, sans drogue, c'est autour de ces thèmes que s'est tenue cette opération de sensibilisation, ceci dans une démarche de promotion de la santé et d'éducation à la citoyenneté active.
S'enquérir de la situation réelle des travaux de construction des villas des retraites pour les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, tel a été l'objectif de cette visite de travail au Pôle Malebo dans la commune de Lancélé du vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ce reportage a été signé par Iverson Kawaba. Une cité moderne pour les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces projets ambitieux du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de près de 190 villas, vise à honorer ses compatriotes qui ont servi la nation sous les drapeaux. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Sami Adubango, a fait le déplacement du Pôle Malebo dans la commune de Lancélé pour se rendre compte du niveau d'exécution de ces villas de retraite des officiers des FARDC. Je suis venu après que le chef de l'État ait fait une descente ici pour la livraison de 30 villas. Et c'est un projet que lui, il tient à cœur. Donc bref, c'est la vision du chef de l'État que nous, au ministère de la Défense, que le VPM est en train de diriger au jour d'aujourd'hui. Et ça fait la fierté de notre pays de voir au jour d'aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui aime son pays et qui veut le bien-être de son armée. Ces projets, financés à hauteur de 65% par l'État congolais et de 35% par le souscripteur, a connu un ralentissement, faute de financement, depuis près de 12 mois. Les travaux sont préfinancés par le constructeur, l'entreprise Congo International Investissement Group SAS. Et à la Cour des comptes, le premier président s'est entretenu avec le directeur général du Bureau central de coordination sur la gestion des finances du programme de développement dédié aux 145 territoires qui doit passer aussi au contrôle de l'IGF. Autre détail avec Nancy Poba. Inspection générale des finances, c'est le tour de Jean-Mabi Moulumba, directeur général du Bureau central de coordination, de répondre à l'invitation du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganangwaka, ce mercredi 26 juillet 2023. Il était question de remettre les pendules à l'heure entre les deux entités, s'agissant du dossier contrôle de l'IGF et le BCECO sur la gestion des finances du programme de développement local dédié aux 145. Depuis que je suis à la tête du BCECO, je me suis engagé à respecter le texte. Ce n'est pas le premier contrôle de l'IGF sur près de 145 territoires. J'ai toujours transmis, j'ai toujours collaboré au contrôle de l'IGF depuis septembre 2022. Il est arrivé peut-être un malentendu. C'est ainsi que moi j'ai pris l'initiative de les inviter autour de la table. Je les attends qu'ils viennent autour de la table pour qu'on puisse harmoniser le point de vue. Le BCECO confirme que le BCECO ne refuse aucun contrôle. Dans le cas du PEDEL, je vous renvoie au site de l'ARMP. Nous avons publié toutes les attributions du PEDEL. Le premier président a rappelé au DG de BCECO la teneur de l'article 38 de la loi organique de la Cour des comptes. Il lui a expliqué que la Cour des comptes n'ayant pas diligenté un quelconque audit sur le programme de développement local dédié aux 145 territoires, le BCECO n'est pas fondé à s'opposer à un quelconque contrôle que ce soit, sous prétexte que la Cour des comptes serait en mission d'audit au BCECO. Construction de 9 ponts dans 3 provinces de l'espace Grand Équateur, la Mongala, le Nord et le Sud Ubangi. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sous la supervision de l'UNOPS au travers du projet Programme intégré des croissances agricoles dans le Grand Lac. Blaise Bokokassane a signé ce reportage. La détermination est de mise entre l'Office des routes et l'INOPS de doter la Mongala, les Norubongi et les Sudubongi de 9 ponts sur financement de la Banque mondiale. Un projet en cours d'exécution car sur les 9 ponts, 5 largement avancés et les 4 autres encore en construction. Le lancement des travaux a commencé au mois d'octobre 2022. Travaux de construction des ponts métalliques modulaires et sur les rivières Moté, Namo, Betuma et Makengo dans le sud Ubangi, Ngoko et Longé dans le nord Ubangi, Lofolé et Bala, Mondombe
et Ngozi dans la Mongala, maître d'ouvrage délégué INOPS au travers du projet Programme intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs PKGL en sigle. Et pour la bonne réalisation de ces ouvrages, dans le timing, il était indispensable de procéder à une évaluation des étapes à mi-parcours. C'est ce qui justifie la visite des chantiers dans la Mongala, territoire de Bongandanga, de l'ingénieur Didi Nzuzi, chef du projet du côté Office des routes, et Jean-Léonard Onana, chef du projet du côté INOPS, entouré bien sûr des ingénieurs spécialistes en pont des deux parties. Dans le secteur de Bosso Simba, c'est le pont Delta appelé le Fofé, avec des caractéristiques assez particulières, de 9 mètres de portée linéaire sur une seule travée en pleine construction, et les 2 quilés sont terminés. Dans 2 mois, on pourra mettre le tablier et atteindre 80% du taux d'exécution. Sur l'axe Ngozi-Rive et Ngozi-Terre, dans le secteur de Bosso-Zanoa, c'est un véritable défi que l'Office des routes va relever, car la nature ne semble pas l'accompagner dans la construction des ponts Ebala, Mondombe et Ngozi pour relier Ngozi-Rive au chef-lieu du territoire de Bongo. Un tronçon marécageux dans un milieu très reculé où les matériaux sont quasi inexistants. Pour y accéder à ces chantiers, il faut un véritable parcours des combattants. Ces images parlent parfois d'elles-mêmes. Difficulté grave, mais pas impossible, car les hommes sont là pour trouver des solutions aux problèmes de la vie sociétale. Et tous les espoirs sont donc permis dans les jours à venir. La campagne de vulgarisation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme se poursuit dans les provinces. Aujourd'hui, nous vous proposons l'étape de Matadi dans la province du Congo central. Un atelier a été organisé à l'attention des experts comptables et financiers pour ce faire. Images et commentaires. Les médecins chefs des zones de santé et des administrateurs gestionnaires des 30 zones de santé de la province du Congo central participent à un atelier de renforcement des capacités des administrateurs gestionnaires des ressources humaines en santé concernant le suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme provincial pour le développement des ressources humaines en santé 2021-2025 du Congo central en visioconférence en direct de Japon. Dr Matsioka, chef des projets d'appui au développement des ressources humaines en santé phase 3 de la JICA, remercie les participants à qui il demande l'assiduité et la mise en pratique des théories à recevoir. L'administrateur gestionnaire John Baka Zola parle du niveau actuel des leadership des zones en gestion des ressources humaines. Dans le cadre de la couverture santé universelle, les ressources humaines deviennent comme des ressources qu'on met au premier plan pour promouvoir le développement de l'action sanitaire au niveau de la base. Nous les faisons à travers la mise en œuvre d'un plan provincial de développement des ressources humaines. Et ici, les zones de santé sont là pour qu'on les rende capables de s'activer dans la mise en œuvre de façon efficace de ces plans. Du 26 au 28 juillet 2023, les participants à ces assises seront renforcés, entre autres, dans le suivi évaluation électronique du programme provincial de développement ressources humaines en santé 2021-2025 à partir du logiciel Uzimamizi ressources humaines en santé. Restons dans la province du Congo central où la 3e édition du festival Congo River s'est clôturée à Mwanda. Un circuit touristique a été organisé. Images et commentaires. Les circuits touristiques de la 3e édition du festival Congo River a commencé par le jardin botanique de Kisantu au Congo central, ancienne savane transformée en forêt mais artificielle. Nous apprenons beaucoup et de ce que nous faisons comme travail et de ce que nous pouvons transmettre aux touristes qui ne connaissent pas très bien l'histoire des esclaves. Un parcours qui a donné l'occasion d'apprécier l'investissement de Sarou Asbel à Manzangungu, l'un des partenaires de Congo River. On a pu voir en Manzangungu effectivement l'hôpital qui est là, le centre biomédical qui est là. Et beaucoup ont été étonnés effectivement de voir ce qui est fait, ce qui peut être fait et peut-être aller encore un peu plus loin. Arrivés au pont Maréchal à Matadi, les touristes ont eu à contempler la beauté de la nature, les valeurs touristiques et historiques de cette province. Tiamfumo a été un des points où étaient rassemblés nos ancêtres qui étaient déportés en esclavage. Nous avons pu visiter la forêt Voula qui doit être valorisée comme élément de mémoire nationale. Nous avons également visité la plage Fumbi,
qui était le point d'embarquement des esclaves. La zone côtière de Moanda au Congo central, point de chute du festival Congo River à la découverte du parc marin des mangroves. Une visite partie de Kinshasa à Moanda, chargée d'intérêt pour l'environnement et l'écosystème. L'un des volets importants de la démarche de Congo River. Toujours dans le Congo central, la voirie urbaine de la ville de Matadi subit des travaux de réhabilitation et pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux, le maire de la ville a effectué une visite d'inspection sur les différents chantiers ouverts à travers la ville. Alain Bikaï. La modernisation de la voirie urbaine de la ville de Matadi pour lutter contre les embouteillages fait partie des priorités de Dominique Odiambété. C'est dans cette optique qu'il avait lancé les travaux de construction des routes reliant les marchés Momon à l'église Saint-Gérard en passant par la mission provinciale de l'église Kimbangis. Une route qui n'est jamais été construite depuis l'existence de cette ville est en train de revêtir une peau de neuve. Pour s'assurer de l'évolution de ces travaux, le maire de la ville a effectué une visite d'inspection sur les différents chantiers ouverts dans cette ville. Les constats sont satisfaisants sur le terrain car les travaux de construction des canalisations d'eau et des mines de soutènement qui consomment beaucoup de moyens se poursuivent grâce à la détermination du premier citoyen de la ville. C'est une première dans l'histoire de notre quartier. Je suis né dans ce quartier, je n'ai jamais vu ça. Pour cette route, c'est pour la première fois qu'elle soit construite. Nous encourageons les maires de la ville de continuer toujours comme ça. Depuis que nous travaillons sur ces chantiers, nous sommes bien traités. À 12h pile, c'est la restauration. Nous mangeons comme des blancs. Sur les chantiers ouverts devant la salle Ciné Palace, les travaux sont terminés et la voie est ouverte à la circulation. Les conducteurs des taxis n'ont pas manqué des éloges à l'égard des maires de la ville. Quittons le Congo central pour la province du Haut-Uele où le gouvernement provincial condamne la campagne de désobéissance fiscale décrétée par la FEC et la rend responsable des conséquences y afférentes. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil des ministres extraordinaire présidée par le gouverneur de province. La crise entre le gouvernement provincial du Haut-Uele et la Fédération des entreprises du Congo à la suite de l'appel à l'incivisme fiscal lancé par cette dernière après avoir résilié unilatéralement le protocole d'accord les liant autour de la perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction est au centre des deux réunions extraordinaires du Conseil des ministres élargi présidé ce mercredi 26 juillet 2023 par le gouverneur Christophe Bassien Nanga. Le Conseil des ministres a stigmatisé les actes de vandalisme ayant pour vocation de se substituer aux préposés de l'État, notamment au niveau des postes de péage légalement institués. Il invite de ce fait toutes les parties prenantes à s'abstenir des propos, des actes et des écrits susceptibles de fragiliser la cohésion communautaire, de remettre en cause les réalisations chèrement acquises. Un autre sujet d'actualité abordé, c'est celui de la tenue imminente d'une session de formation de membres du gouvernement provincial par l'inspection générale des finances sur les recommandations formulées dernièrement par rapport à la gouvernance de la chose publique. Dans cette optique, des séances de renforcement des capacités des animateurs des institutions provinciales en matière de finances publiques seront de nouveau programmées à toute fin utile. L'autorité provinciale a saisi cette opportunité pour donner des orientations, des services en vue de la mise en œuvre de l'action gouvernementale pour le bien-être de la population. Les efforts consentis par l'honorable Sylvain Delmambo, élu de Bagata, province du Kwilu, dans la résolution des conflits Tekeyaka et l'assistance apportée aux déplacés à Kwamutu ont bénéficié de la reconnaissance de la part des organisations des journalistes. Un reportage signé Rodi Panda. La résolution des conflits Tekeyaka, enclenchée depuis Kwamutu dans la province de Maïndombe, jusqu'à embraser l'espace Grand Bandundu, dans la province du Kwilu et Kwango, n'a pas été que militaire. Les notables et l'ensemble de la population y ont apporté des initiatives qui ont contribué à la paix. Le député national Sylvain Delmambo, élu de Bagata, province du Kwilu, est l'un des notables qui s'est grandement investi
avec différentes interventions en faveur des déplacés de Fatundu, de Bandundu et de Kinshasa, sans oublier les multiples plaidoyers menés auprès des forces armées et les services de sécurité pour le rétablissement d'une paix durable jusqu'à dans le secteur de Wamba, province du Congo, où les milices Mobondo ont tenté de semer la terreur. Agent de développement Sylvain Delmambo s'est aussi investi dans la réhabilitation des routes, ponts et écoles. Tous ces efforts constatés par les organisations des médias ont valu à ces notables du coin le député national Sylvain Delmambo de la reconnaissance. Ces organisations de journalistes lui ont décerné deux diplômes de mérite de tout ce travail au profit de compatriotes pour la paix telle que voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La province du Kasaï-Oriental a un nouveau commissaire divisionnaire adjoint. Il répond au nom de John Tchabouinier ou Ami Yongo. Il est arrivé lundi à Mbujimayi pour assumer son nouveau poste de responsabilité. 10 ans après, le commissaire divisionnaire adjoint John Tchabouine Ouamigo fait son comeback à Mbujimayi, cette fois-ci sous une nouvelle casquette, celle du nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Kasaï-Oriental. C'est aux alentours de 16 heures que l'avion transportant ses nouveaux promis a foulé le sol de l'aéroport de Bipemba. Une aide d'honneur bien rongée de plusieurs officiers et sous-officiers de la police comme ceux de l'armée, mais également les épouses de policiers pour saluer les retours de ces héros qui n'avaient plus mis un pied au Kasaï-Oriental depuis 2013. Juste après, ce nouveau patron de la police nationale de la province du Kasaï-Oriental a pris la direction du commissariat provincial pour s'entretenir avec son prédécesseur avant la cérémonie des remises reprises. John Tchabouine Ouamigo dit compter sur ceux qu'il considère comme ses frères et sœurs pour assurer la sécurité de la province. J'ai une joie extrême parce que j'ai rencontré les miens. Je reviens en Mbujimayi en 2023. Je suis venu pour la population. Cet accueil chaleureux du nouveau commissaire provincial de la police à Mbujimayi, où il a occupé entre 2009 et 2013. Les postes du commissaire provincial adjoint démontrent de l'amour du peuple kasaïen, plus que déterminé à accompagner un des leurs dans sa lourde mission. Toujours au Kasaï-Oriental, pendant 2 jours à Mbujimayi, plus précisément au centre Mpokolo à Moyo, il s'est tenu un atelier de localisation avec le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, ainsi que les femmes et des jeunes groupes sociaux marginalisés. Les détails dans ce reportage. Le ministre provincial du genre Sylvie Mbouyi a, au nom du gouverneur de province, lancé le projet de localisation de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1325 Femmes, Paix et Sécurité au Kasaï-Oriental, ville de Mbujimayi et territoire de Tshilenge. Ces assises de 2 jours sont organisées du 24 au 25 juillet 2023 dans la salle des réunions Marie-Agnès Mpokolo à Moyo par CFID, Centre féminin de formation et d'information pour le développement avec l'appui technique et financier des GNWP, soutenu par le bureau du secrétaire pour les questions globales relatives aux femmes du département d'État américain. Dans son mot de circonstance, la coordonnatrice de CFID, Gertrude Ndaya, a sollicité l'accompagnement des institutions provinciales pour réussir le projet de localisation de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1325 au Kasaï-Oriental. Donc les acteurs vont identifier leurs besoins en matière de consolidation de la paix. Ils vont présenter ou passer en revue les différents conflits qui se posent au niveau de la province et proposer même des pistes de solutions, des mécanismes pour qu'on arrive justement à la consolidation de la paix. Catherine Leclerc, directrice du programme GNWP, a brossé succinctement les objectifs de cet atelier de 2 jours. Avant de déclarer lancer cet atelier, Sylvie Mbouyi, représentante de l'autorité provinciale, a apprécié à juste titre l'appui technique et financier des GNWP à cet atelier basé sur les droits humains. Soutenir le chef de l'État pour un second mandat, tel était le sens de cette marche organisée par les femmes de toute tendance à Tshikapa. Les femmes et le jeune de Tshikapa se sont tenus debout
en unité pour défendre l'intégrité nationale, l'émancipation de la femme et soutenir les forces loyalistes qui sont au front à l'est de la République démocratique du Congo et surtout d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au second mandat lors des élections de décembre prochain. Elles se sont prononcées lors d'une marche de mobilisation organisée dans la ville de Tshikapa. Parce que je sais que je peux remporter et je sais pourquoi je le fais et je sais que ça y va. D'ailleurs, pour la population féminine du Kassai, vous vous en doutez très bien, moi je suis non seulement féministe et... cette population féminine est restée à un moment désorientée, mais il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui peut porter leur cause. Cette marche est partie du rond-point JJ en passant par le marché Kamalenga pour chuter au gouvernorat. Tour à tour, les représentants des partis politiques, ces femmes des différentes catégories, ont demandé à la population de dire non à l'agression dont le pays est victime et souhaité plein succès au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur l'RTNC. Tout à l'heure à 20h, vous serez en compagnie de Sandra Nengui pour l'actualité de 20h. Au revoir.